Bonjour les loulous, on se retrouve pour cette vidéo de la mise à jour avec les codes de triche pour débloquer les 1000 objets. Si vous vous souvenez bien, j'ai effectivement déjà fait une vidéo, mais c'était tout en musique et on m'a dit que ce serait mieux que je fasse une voix off. Donc j'ai décidé de vous refaire cette vidéo avec la voix off. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour débloquer les 1000 objets de la mise à jour du mois de juillet. C'est parti. Donc, tout d'abord, vous devez taper sur CTRL SHIFT C. C'est aussi la touche CTRL MAJ C. Pour ceux qui préfèrent la touche SHIFT, c'est la touche MAJ au-dessus de la touche CTRL. Lorsque vous avez ouvert donc la console de code de triche qui se trouve en haut de votre écran des Sims 4, vous devez taper tout d'abord bb.showHiddenObjects, vous validez. Ensuite, vous devez taper le deuxième code de triche pour débloquer les 1000 objets, c'est bb.showLiveEditObjects. On valide. Ensuite, vous pouvez refermer la barre de code de triche avec les mêmes touches, CTRL, SHIFT, C. Et on se retrouve en bas dans la petite barre de recherche ici. Et vous tapez étoile, étoile et vous trouvez tous les objets de débocage. Vous cliquez sur débocage et voici tous les objets du mode débocage. Ce sont des objets que l'on retrouve sur. Ce sont des objets que l'on trouve sur les terrains qui sont bloqués, qu'on ne peut pas effectivement modifier. Donc vous avez énormément, énormément de choix. Voilà, juste comme ça pour vous montrer. On peut effectivement toujours les diminuer ou les agrandir. Ça ne change pas. Et vous pouvez mettre absolument tout ce que vous souhaitez pour décorer vos terrains. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Ciao !